Donc elle ne tire pas le lien de parents, en fait, parce qu'on arrête, ça fait qu'il va. On a la convention avec la Fédération Royale Marocaine de football. On prend maintenant en charge les licenciés de la Fédération. C'est un centre qui devra quand même fonctionner à 100%, parce qu'il a besoin encore d'autres choses. Une quinzaine de personnes. Un éventuellement pour l'instant, c'est pas possible. Mais c'est vrai que Et bien sûr, il y a des cours qui nous ont été. Et les parturientes à Berlin. Oui, elle a l'air. Sachant bien que l'objectif, c'est avoir dédié aux femmes enceintes et allaitantes et aussi un accompagnement psychologique assuré aux mamans claires et éducatives aux parents. Des politiques et des chartes sont affichées dans les différents services de l'hôpital et plusieurs livrets informatifs. Ensuite, mesdames et messieurs, chacun en son nom et sa qualité, suivant ma rapide, tout ça, tout ça, la charte de Céline. C'est pour moi un réel plaisir de prendre part avec vous à cette cérémonie de remise du certificat IRAP de l'Institut des hôpitaux Annie BDB, l'hôpital universitaire international de l'Oscar, qui est une fierté de l'Oscar national. Et qui traduit une récompense, très fort engagement bien sûr de la grande responsabilité assumée par cet établissement envers essentiellement l'excellence, l'innovation et le bien-être des patients. Ceci vient concrétiser les orientations du nouveau modèle de développement, ainsi que les aspirations de la loi 4.0.6.22 qui est relative au système national de santé. Une refonte qui conduit conformément aux hautes orientations de Sa Majesté le Roi. Mesdames et messieurs, honorables assistants, notre pays a adopté cette initiative IRAP, une approche novatrice mondiale et qui vise à favoriser la protection, l'encouragement et le soutien de l'allaitement maternel, améliorer l'accueil des nouveau-nés et accompagner les parents durant la grossesse, la naissance et pendant les séjours en maternité. C'est très important. La réalisation de ces attentes nécessite la mise en place d'une véritable philosophie axé sur le respect et la promotion du bien-être de tout petit. À cet égard, les standards internationaux reconnus en la matière, dont notamment les 10 conditions énoncées dans la déclaration conjointe de l'Organisation mondiale de la santé et du UNICEF sur l'allaitement maternel, constituent la pierre angulaire sur laquelle les établissements de santé devront se baser pour créer un environnement hospitalier qui est précoce, propice au développement des nourrissons, à la proximité de l'UNICEF et enfants, et à la constitution des premiers liens favorables à l'autonomie des parents. Actuellement, plusieurs structures hospitalières à travers le monde, dont le Maroc, ont adopté des politiques de promotion de l'allaitement maternel et d'encadrement de la commercialisation des préparations pour nourrissons. Des stratégies d'organisation des soins pour assurer un contact non interrompu entre la mère et le nouveau-né, et des plans de formation des professionnels de santé, ce qui traduit véritablement l'engagement et la volonté collective pour mettre en pratique ce concept fondamental.